Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur The Evil Within 2. Alors, c'est le moment de continuer notre aventure. La dernière fois, on s'est laissé ici dans cette belle planque avec ce mec. Voyons voir ce qu'il a à dire. Ah, ok, y a plus rien à dire. C'est bon. Donc, avant de commencer notre aventure, on doit boire du café pour se détendre et surtout pour restaurer ses vies. Tranquille, relax. T'as pas mal aux mains? Very, very good! Ça détend. Mais tu devrais pas te détendre, tu devrais être excité parce que tu vas te battre comme un fou dans quelques instants. Là, pourquoi il y a deux portes? Où est-ce que ça mène cette porte? On va voir ça dans quelques instants. Donc, voyons voir ce qu'on peut fabriquer. Il sait pas quoi prendre. Ok, amélioration d'armes. Voyons voir ce qu'on peut faire. Oh là, ça devient compliqué, hein? Alors, donnez-moi une seconde. Bon, capacité de munitions, il me faut combien de pièces détachées en tout? Mais on me dit pas ce qu'il me faut, hein? Attendez, puissance de feu. Augmente les dégâts de toutes les armes de la même catégorie. Armes concernées, pistolet classique. Bon, si je fais sélectionner... Oh, ok, là, je peux voir, il me faut combien? Ici, c'est 20, 30... Ok, je crois que je vais garder ça pour l'instant comme ça. Fabrication. Alors, j'ai deux trucs... Attends... ok, ça, il faut deux trucs comme ça pour fabriquer 5 balles de pistolet, si je comprends bien. Attends, ouais, ok, attends, on va faire ça. Comme ça. Oh, ok, on va faire ça comme ça. 1. Oh, ouais, ok, ça utilise deux trucs. Ok. Ah, attends, oh, non, deux trucs pour une balle. Est-ce que vous êtes sérieux? Ok, attendez, on va faire ça comme ça. Ouais, ok, deux trucs comme ça pour une balle. Il m'en reste que 5 maintenant, voyons donc. Ok, je crois que ça va être tigidou comme ça. Fabrication sur le terrain. Sélectionnez l'icône de fabrication sur le terrain depuis le menu arsenal pour fabriquer des objets sans utiliser d'établi. Oh, la fabrication sur le terrain consomme plus de ressources que la fabrication avec un établi et ne vous permet pas d'améliorer vos armes. Ah, d'accord. Vous ne pouvez pas assigner de raccourci à la fabrication sur le terrain. D'accord, c'est bon. Mais on va regarder ça vite fait, bien fait, juste pour voir comment ça marche. Ah, ok, I get it. So, je fais ça comme ça, et là, attendez. Sélectionner. Ensuite, ça utilise le double des ressources. Ok, ça, c'est comme au cas où et au cas où. Ok, c'est bon. Quel est cet endroit? Merde, on va explorer ce lieu. Oh! Est-ce que c'est la personne qui m'a aidé dans The Evil Within 1? C'était qui? Oh, ça c'est pour aller dehors! Ok, nice. Mais attendez une seconde, laissez-moi rentrer là-dedans. Ça c'est quoi, numéro 1? J'avais vu numéro 1 là, mais bon. Peut-être planque numéro 1. Ah, anyway, on va rentrer dans le miroir! Attends, maintenir. Là on devrait revenir dans notre salle, hein. Oh, la salle de Sébastien. Alright. Ok. Ben oui, c'est elle, hein, on dirait. Ok, il y a un établi ici. Est-ce que je peux rentrer? Non, je peux pas rentrer là. Ça te rappelle des bons souvenirs? Que ça soit. Mais que s'est-il passé? C'est quoi ce bordel? Hey! Laissez-moi sortir! Oui, c'est elle! Inspecteur Castellanos, quelle bonne surprise. Bon retour parmi nous. Encore vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je pourrais vous retourner la question. En tout cas, c'est bon de voir un visage familier. Même si ce visage en a bien trop vu. Vous avez l'air fatigué, inspecteur. Je peux vous remettre d'aplomb si vous voulez. En faisant des trucs cochons avec moi? Ça va m'affaiblir, moi, t'es loin. Oh. Comme avant. Ah, ok, amélioré. Oh, ok, on peut aller ici parmi le... Ah, ok, c'est ici qu'on utilise le gel vert. Bon, laissez-moi voir quelque chose. On va aller dans santé, pourquoi pas. Donc, pour avoir plus de santé, ça coûte 4000! What the
Ah, ok, non, 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 je me suis trompé. C'est ici, c'est 1500. Augmente la capacité maximale de la jauge de santé. Ok, on va voir dans l'agilité. Ici. 1500. Ok, ça coûte toujours 1500. Ok, dès que j'ai 1500, Jalbert, je reviens ici. Okay, c'est bon. Mais je peux pas aller dans mon bureau, on dirait. Ok, là, mon bureau est ouvert. Là, je peux partir. D'accord, mais donnez-moi une seconde. Vous savez, la dernière fois, j'ai pas trouvé de projecteur. Laissez-moi voir si je peux en trouver un. Vous savez quoi, fuck le projecteur, man. Attends. Oh, salut, petit chat. What's up? What's up? Ok, c'est ici, le projecteur. C'est comme ça. Ok, changer de diapo. Oh, j'ai juste une diapo. On a vécu une belle vie ensemble, n'est-ce pas? Mais bon, ok, c'est bon. Anyway, ok, on y va. Bon, c'est l'heure de sortir d'ici. On s'est assez promené. Maintenant, on sait où utiliser les gels verts et nos trucs de confection. Ouais. Okay, attends. Pour l'instant, laissez-moi me planquer. Attends, comme ça. Là, on va ouvrir ceci. Oh, 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 désolé, désolé. Donc, vous savez, ici, résonance, ok, c'est pour compléter la quête principale. Mais moi, là, j'ai envie d'aller là et là pour aller chercher des armes. Parce que je sens qu'il y a de la mielda qui va se passer. Mais bon, en tout cas, comment on utilise le truc, comment on utilise le truc? Comme ça, on utilise le truc de résonance. Ok. Essayons de trouver le signal dont il m'a parlé. Ok, donc détection de résonance, ok, il y a quelque chose de jaune, what the fuck, et de rouge. Localisé, lorsque le communicateur se trouve dans le champ d'un point de résonance, une onde apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Déplacez le communicateur pour trouver le signal et le capter. Oh. Oh, je peux aller en haut et en bas? Ok, 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 c'est bon, attendez. Oh, il y a quelque chose de vert là-bas. Ça doit être le signal dont me parlait O'Neill. Exactement. Donc, connexion au point de résonance. Équipez, déséquipez le communicateur. Lorsque le signal est capté, le communicateur affiche la direction et la distance relative au point de résonance capté. Les points de résonance captés figureront ensuite sur la carte. Ah. Ok, donc, c'est plutôt loin. Mais c'est la seule piste que j'ai. Bon Dieu, j'espère que c'est vraiment Lily. Ok, c'est comme ça que ça marche, c'est very good. Donc, trouvez d'où provient la voix de la fille en utilisant votre communicateur. Ok, mais le truc c'est que je sais même pas comment on sort le communicateur. What the fuck? Continue de s'effondrer comme ça, il y aura plus grand chose de la ville à fouiller. Il faut que je trouve ce signal. Avant de trouver le signal, attendez. Oh, ok, ok, attends. Comment j'ai... Honnêtement, je sais même pas comment on sort le truc. Donnez-moi une seconde. Ici, non, vous voyez, je peux rien faire, voyons donc. Attends. Je vois les communicateurs à gauche, là? Attends. Non, non, non. Je sais vraiment pas comment on sort le communicateur, pour être honnête avec vous, là. Je suis en train d'appuyer sur tous les boutons. Oh, oh, triangle! Triangle! Ok, ok, ok. Attends. Vous savez quoi? On va aller ici. Non, 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 non. Je veux l'autre truc. Attends. Ah, c'était là. Ok. Opérateur de Mobius décédé, je l'ai quand même. Ok, Mobius, pièce de rechange. Ok, 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 ok. Voilà, voilà. Bon, donnez-moi une seconde. Donc, il faut aller ici. Non, ok. On va aller ici tout d'abord. C'est le premier truc à faire, hein? Ouais, that's it. Je vais faire la mission principale plus tard. Je vais faire les missions secondaires tout d'abord pour trouver des armes. Et tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est aller en haut ici. Est-ce que je peux rentrer là tout d'abord? Laissez-moi voir ça. Nice. Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis. Oh, nice!
Voyez, c'est pour ça qu'il faut se promener partout, les boys. Comme ça, on va trouver des trucs intéressants. Herbe! Parce qu'on est dans Resident Evil, une plante naturelle aux vertus médicinales, ses composants peuvent être utilisés pour fabriquer des objets utiles. Ok, herbe égale objet de fabrication, c'est pas consommation. C'est bon. Là, oh, attendez, est-ce que j'ai pris le truc? On dirait que j'ai pris le truc, hein? Ici, y'a rien. Attendez, laissez-moi voir s'il y a de quoi ici. Ok, y'a rien ici. Oh! Dossier 6 sur 40, pardon. Donc, bonjour, bienvenue à Ingen. Ingen mélange idéalement le charme d'une petite bourgade avec le confort de la vie moderne, le tout entouré de toutes les merveilles que la nature a à offrir. Retrouvez la sérénité d'une époque plus simple où les sourires amicaux et chaleureux des habitants vous apportent réconfort et convivialité. Échappez-vous du stress et de l'agitation et découvrez un lieu qui vous accueillera les bras ouverts. Ingen, heureux de vous accueillir. Ouais, moi aussi je suis heureux d'être ici, hein, et de me faire fourrer dans le cul par des monstres. Il y a-t-il autre chose? Oh, ici! Rien du tout. Ici non plus. Ouvrons la porte. Ok, on ne peut rien faire, c'est bon. Alors vous savez ce qu'on va faire. Je vais pas trop me promener partout parce que sinon c'est laid. C'est vrai qu'on peut trouver plein de trucs si on se promène dans toutes les maisons. Mais je vais juste me promener dans les maisons ou dans les immeubles ou whatever. Dans les endroits où ce qu'il y a des objectifs. Merci pour l'herbe, mais je peux pas rentrer là-dedans. Les maudits. Ici. Comme ça. Oh, attendez. Non. Ça. Attends. Comment? What the fuck? Ok, il y a de quoi. Ok. C'est parce que je me dirige au bon endroit pour. Oh shit, il y a de la merde qui se passe. Mais donnez-moi une seconde. Il y a sûrement un moyen de monter en haut. Monter en haut, pionnasme. Oui, je le sais très bien. Mais vous savez quoi? Puisque le bon endroit se retrouve là-bas en avant, on va aller faire les objectifs secondaires que j'ai déjà. C'est-à-dire. Attendez une seconde. On va aller ici tout d'abord. Ouais, ici. Ok, attends. Donnez-moi ça. J'ai envie de péter ces caisses! Oh, what the fuck? Attendez. Oh, ok, je peux utiliser mon truc ici comme ça? Oh, on m'a découvert! On m'a découvert! Je vais pas gaspiller mes munitions, pas tout de suite en tout cas. Non! Je veux juste voir. What the hell, bro? Ok, t'es apparu ici, c'est bon. Come on! Yo, je veux juste voir combien de fois il faut que je t'attaque pour que ça marche! Le maudit zombie. Come on. En tout cas, je suis à côté d'une bande de café, là, comme cafetière. Yo, ok, j'ai appris quelque chose. Ça prend beaucoup de temps pour tuer le monde avec un couteau. Ouais, ça prend vraiment beaucoup de temps, alors je vais arrêter de faire ça à partir de maintenant. Le couteau, je vais vraiment l'utiliser seulement pour. Comment dire? Faire autre chose. Okay, vous savez quoi? On va faire un test. Ça attire pas les ennemis? Ok, ça attire pas les ennemis si je fais ça. Ok, nice. Au moins, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je suis en train d'observer les ennemis. J'ai pas envie de me faire repérer, mec. Je fais tellement de bruit en plus. Ok. Voilà. Ok, je commence à trouver beaucoup de choses ici. Donc, laissez-moi voir quelque chose. Signal rebelle, ouais, c'est ça. Mais. On dirait que j'ai pas tout découvert. Je vois des trucs ici, mais je peux rien faire avec ça, hein. Charlie Don James, on a déjà vu pire que ça. Et cette fois, on est mieux armé. Ouais, je peux rien faire. Ok, c'est bon. Attends, on va se promener un petit peu autour d'ici. Peut-être qu'on va trouver de quoi. Oh, attendez. Clou. Ces longs clous en acier sont normalement utilisés dans le bâtiment et sont parfois pour une utilisation en tant que shrapnel. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ouais, nice. Very nice. Oh, je peux pas rentrer là-dedans. Oh, mais je peux rentrer là-dedans comme ça. Et mon petit tabarnak.
my life! Ok, j'ai appris une chose. N'utilise pas ton couteau. Je veux faire des headshots, j'ai pas envie de gaspiller mes munitions, man. Ok, 600 gels verts en tout. C'est nice. Mais vous savez quoi? On va se régénérer un peu. Et là, en même temps, on va regarder le signal jaune. Oh, attends, ici. Ok, c'est bon, c'est tout? Oh, what's up? Oh, plus 700. Il y a une caméra là. Il y a tellement de gens qui sont dead ici. Oh, lui, il va se relever. Fuck my life. Oh, une chance. Pochette améliorée. Donc, pochette à munitions pour pistolet 26, 32, 38, 44, 60. Pour l'instant, c'est 26, c'est ça? Cette pochette de nylon sert à transporter des munitions supplémentaires pour les pistolets. Ouais, une chance que je suis passé par là. Je peux pas passer ici. Donc, est-ce que j'ai terminé le truc? Ah, what? Oh, j'ai dépassé le point vert. Ok, ok, c'est bon. Ouais, j'avais vu ça, man. Oh, the hell, bro. What the fuck? Attends, c'est un ennemi? Ok, ok, il faut le tuer. Very good. Thank you very much. Ok, ok, j'allais dans un endroit complètement différent de ce que je voulais en fin de compte, hein. Attends, oh. Localiser. Balles de pistolet. Oh, il y a des balles de pistolet autour d'ici, c'est ce que tu veux me dire? Et là-bas, c'est pour retrouver ma fille, je pense, hein. Voix d'enfant. Ouais, je commence à comprendre comment on utilise ce truc. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, je croyais que j'avais vu de quoi ici. Bon, c'est quoi? Laissez-moi voir quelque chose. On va faire le tour à partir d'ici. Oh, ici on rentrait là. Ah, oh, c'est ici. Balle de pistolet 7. Oh, ok, c'est nice. Donc, ah voilà, le signal a disparu. Ok, ok, ouais, c'est ça. Et là... Oh, d'accord, d'accord. Je comprends comment les signaux marchent maintenant, pour vrai. À 100%. Merci. Tuyau métallique. Un bout de tuyau en acier un peu rouillé, pas très utile en tant que gourdin. Et puis, vous avez des armes à feu. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Merci beaucoup. Donc, voyons voir s'il y a autre chose. Ah, nice. Ok, des clous. Je commence à être bien équipé, vous ne trouvez pas? Ouvrir. Ok, merci pour ces pièces détachées. Y a-t-il autre chose? On dirait que non. Ah, l'établi. Oh, wow, wow, merci beaucoup. Donc, voyons voir si je devrais fabriquer des trucs. J'ai beaucoup plus de composants maintenant. Mais j'ai 110 pièces détachées. Est-ce que j'augmente le dégât de l'arme à feu? Ouais, ouais, let's do. Let's do this shit. Bam. Voilà. C'est bon. Une chance que je me suis promené ici, hein. Mais moi là, honnêtement, je veux vraiment aller ici. Parce que, signal rebelle, j'ai exploré la résonance de Mobius. Mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'avais vu deux petits trucs comme des ombres. Mais il n'y a rien qui se passe, même si... Mais si je fais de quoi avec? Oh, peut-être qu'il faut que je monte. Ok, il n'y a rien autour. Attends, il y a une nouvelle résonance? Ok, c'est quoi? Attendez, opérateur de Mobius décédé, journal de communication, pièce de rechange. Ah, ok, 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 ok. C'est bon, attends, on va l'activer. Est-ce correct? Attends, on va faire ça. Oh, il y a rien, ce gars-là, pour moi. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Ici? Ok. Blindé de Mobius, arbalète sentinelle. Ok, ouais, l'arbalète, c'est vrai, c'est vrai. Ok, on va faire ça comme ça. C'est bon. Ah, what the fuck? Vers les dangers. La deuxième piste est là. Et cette fois, on est mieux armé. Enfin, on va récupérer les gages d'armes. Allez.
Mais il y a vraiment rien d'autre qui se passe, hein? Qu'ils descendent? Oh, j'avais même pas remarqué cette bouteille. Et ça aussi. Non mais, honnêtement, croyez-vous qu'il faut faire de quoi ici? Ah, je viens de remarquer, si je m'approche d'eux, je peux faire ceci. Ils sont trop nombreux. Ok, attendez. Aucune nouvelle de Mobius. On est livré à nous-mêmes. Je lance le protocole d'urgence Alpha 1. Tu sais quoi faire? Alpha 1? T'es sérieux? Les techniciens? Rien à foutre, ils se démerdent. On n'est plus avec les Marines. On abandonne personne, ça veut plus rien dire ici. Ça te pose un problème? Tu déconnes. J'attendais qu'une chose, c'était qu'on me lâche la bride. J'en ai marre de protéger des nerds et de fuir comme une gonzesse. Parfait. Allez, on récupère les armes, on s'équipe et on fait le ménage. Que ce soit une ou une de ces saloperies, on dégomme tout ce qui bouge. Bordel, mais c'était quoi? Quoi qu'il puisse être, ils ont dû passer par là. À savoir où ils sont allés. Ah, oh, ok, ok. Maintenant je comprends, il faut s'approcher d'eux pour faire ce genre de truc. Là, oh! What the fuck is happening? Encore des signaux. Je ferais peut-être bien d'éviter ces deux-là. Ce sont des agents renégats. Mais d'un autre côté, j'ai besoin d'armes. Exactement ce que je me disais! Alors, que devrais-je faire selon vous? Attends, what the fuck? Ok, ici? Ok, ok, ouais, le blindé de Mobius, c'est vrai, c'est vrai. Donc, oh, ça c'est quoi? Un établi. Ah, d'accord. Donc, on va passer par ici tout d'abord. Là, ouf, ces deux-là, là, ils veulent pas me laisser tranquille, hein? On va, ok, on va utiliser une bouteille. J'ai une petite idée. Tranquille, relax. Là, on va faire. Bam! Ça marche? Ok, ça a marché pour un des bonhommes. Mais là, pour l'autre, est-ce que ça va marcher? Oh, shit! What? Ok, 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 attendez. Vous deux, allez là-bas. Oh, ça s'est brisé juste à côté de moi. Fuck my life, man. Allez là. Il sent quelque chose, ce gars-là, hein. Damn, j'ai pas envie de headshot parce que ces deux-là sont là. Fuck. Oh, le maudit, man. Il fait son smart. Call in the bean. Ok, vous savez quoi? J'ai plus de bouteilles. Je crois que je vais tous les tuer. C'est bon? Ils savent pas où je suis encore. C'est nice. J'arrive jamais à tirer, tirer. Oh! What the fuck? Ok, ok. Tout ça parce que j'ai pas de vide, voyons donc! Ça faisait longtemps que j'avais pas vu là, ces trucs. Oh my god, ça m'a fait peur! Tout ce que j'ai fait, c'est courir, man, vous savez? Tout ce que j'ai fait, c'est courir. Dès que j'ai pris cette arme, bam, c'est fini. Il ne me chasse plus, c'est trop génial. Donc, l'utilisation de l'arbalète sentinelle. L2, maintenir pour viser. R2, armer. Et, attends, R2, tirer. Oh, ok, d'accord. Changer de carreau. La plupart des carreaux de l'arbalète sentinelle peuvent agir comme des mines de proximité une fois fixées sur une surface. Sébastien ne les déclenchera pas. Tirer un carreau d'arbalète sentinelle sur une surface directement opposée à une autre surface vous permet de créer un piège à détente. Un laser rouge apparaissant durant la visée vous montrera où le fil de détente sera créé. D'accord, c'est cool. Donc, carreau électrique, ce carreau délivre une décharge électrique passant d'ennemi en ennemi afin de les étourdir et parfois de les faire tomber. Vous pouvez aussi les tirer sur des boîtes à fusibles hors service et des plaques d'eau pour déclencher des effets environnementaux spéciaux. Oh, ça c'est intéressant. Vous pouvez fabriquer des carreaux électriques en combinant des fusibles et de la poudre à canon. Ah, d'accord, c'est bon. C'est very good. Mais attendez. Oh my god! Yo, prends ça et cours! Cours, monsieur Castellano! Wouh! Pepito, cours!
On va juste retourner dans notre planque, se régénérer un peu, et on va arrêter de foirer notre coup juste parce qu'on n'a pas de vie. Je sais que j'ai une seringue avec moi, mais pourquoi l'utiliser quand on est juste à côté de la planque? Eh, on n'a pas des munitions et des comme médicaments à l'infini. Il faut économiser ces trucs, voyons donc. Voilà. Moi, je suis super cheap, oui. Ok, cafetière, juste ici. Je suis mort deux fois, juste parce que j'ai fait mon con et que je voulais pas gaspiller de seringues et de munitions. Mais bon, écoutez, moi là, je vais chercher des munitions pour mon aventure plus tard. J'ai pas envie de les gaspiller tout de suite, surtout quand je peux me régénérer les vies ici, voyons donc. Ok, donnez-moi une seconde. J'ai pas encore réussi à faire ce truc-là, hein. Opérateur de Mobius DCD, journal de communication, Mobius, pièce de rechange. Vous savez quoi? Je crois qu'on va... Non, 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 on va aller le faire. Je m'en fous. On va aller trouver un moyen de monter en haut. Monter en haut, puis on a... Je le sais très bien. On va réussir les boys. Maintenant que j'ai beaucoup de vie, de munitions et de trucs, on pourra faire de quoi. Mais avant tout, laissez-moi placer les carreaux... ben, comme l'arbalète ici. Là, quel genre de carreaux j'ai en ce moment? Carreau harponneur, carreau électrique. Harponneur, c'est pour faire bombo de carreau direct, comme un vrai fusil. Ça, c'est un piège. Alors là, on va prendre harponneur pour l'instant. Attendez, on va recharger ça. Ok, c'est déjà rechargé. Ok, c'est good, c'est good. Bon, on y va pour de vrai cette fois-ci. J'ai trouvé un moyen de monter, man. Ah, mais ici... Attendez, attendez, je crois que j'ai vu de quoi d'intéressant. Ok, une bouteille. On va péter ces trucs. Pour l'instant, je suis à la recherche de munitions et tout ça parce que j'ai pas envie de me faire prendre dans le cul par les gros monstres qu'on va voir plus tard, hein. Oh, ne te retourne pas. Continue de manger, continue de manger, man. Okay, nice, nice, nice. Oh, je suis vraiment désolé, Maltino. J'ai utilisé son corps pour pouvoir tuer un mec. Enfin, une femme. Une femme, ouais. Là, ici, il n'y a plus rien. Ok, vous savez quoi? On va aller. Ça me tente d'explorer les lieux pour trouver le plus de trucs possible. Mais, comme je l'ai dit, on va juste se diriger vers les objectifs. Et on va explorer les lieux où se retrouvent ces objectifs. C'est bon? Évidemment. Attention au jump scare, les boys. Oh. Chut, chut, chut. Okay, attends, il y a un mec. Chut. Oh, fuck. Chut. Il se doute de quoi, hein? Je suis sûr qu'il va se retourner. Ah, je le savais. Il va se retourner maintenant. Je suis tellement sûr. Oh, pas encore. Come on, come on, Polo, come on. Ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Bim. Nice. Ok, ça c'est very good. Prendre. Oh oui. Et maintenant on va faire ça comme ça. Balle de fusil de précision. Pas comme si j'ai de sniper. Oh! Oh! Attends, bam! Yes! Fusil de précision cassé. Fuck my life! Ce fusil de précision est dans un sale état. Il serait impossible de le réparer avec les pièces adéquates. Mais son propriétaire précédent n'est plus vraiment capable de dire où elle se trouve. Man! Est foutu, mais le reste a l'air intact. Il va falloir que je trouve des pièces pour le réparer. Ok. Au moins... j'ai quelque chose, je peux pas me plaindre, j'ai trouvé quelque chose. C'est pour ça qu'il faut se promener partout. Je le répète toujours, mais c'est pour ça. Donc, une transcription d'un échange trouvé sur le communicateur. Keating, nous sommes sur le toit du bâtiment à côté du centre d'information. J'ai explosé le canon de mon fusil de précision. J'ai besoin d'une pièce de rechange maintenant, McCoy. Les pièces sont dans le cabanon en face du garage d'Union. Oh, ok, attends. Les pièces sont dans le cabanon en face du garage d'Union. Le garage d'Union est où? Ok, on va... Il y aura sûrement une map qui va... Ben, un point qui va nous dire sur la map où se retrouve ce point-là. C'est au nord-ouest de la ville, juste à côté de la faille. Sérieux, je vais pas. Keating, je me fous de savoir où elles sont. Apportez-moi avant que ces choses me trouvent. Merde! Pourquoi c'est toujours moi qui fait... pour moi, les missions dangereuses. Hein? Ok, est-ce que tu vas me dire où se retrouve sur la map le truc que j'ai besoin? Non? Je peux pas prendre...
Yo, prends son gun! Prends son gun! Les positions stratégiques de Mobius ont été ajoutées à la carte, appuyez sur M pour les consulter. Ah, mais avant tout, M, et voilà. Oh, je suis tellement content d'être venu ici. Y a-t-il autre chose? D'autres caches de munitions pour moi? On dirait que non, hein? Non, ok, attends. Voyons voir la map. Ah, peut-être que c'est ça. Pièce de recharge pour fusil de précision. Fuck, maudit que c'est loin, oui. La résonance, ok. Oh, oh, oh. Bon, vous savez quoi? On va retourner dans la planque. Ou bien on va se promener un petit peu avant de retourner dans la planque. Afin de trouver le plus de trucs possible. Et ensuite, on va améliorer nos stats. Ouais, oh, vous savez quoi? Je veux tuer 2-3 bonhommes pour obtenir de la substance verte. Comme ça, je peux améliorer 2 compétences. Parce que la plupart des trucs coûtent 1500$. Mais 1500, oh, je sais pas comment dire. The Evil Within Crotte. Je devrais dire ça comme ça. Donc, c'est ça. En tout, j'en ai 2600. Sauf si j'en tue 2. Si je tue 2 bonhommes, je devrais avoir assez pour faire mes trucs, non? Ok, on va se promener un tout petit peu. Cherchons 2 ennemis qui ne sont pas regroupés ensemble. Oh, oh. Oh, attendez. C'est mon truc ici. Pièce détachée. Hé, hey, je t'ai dit de prendre ceci, man. Ah, oh, je peux pas parce que j'ai trop de bouteilles. D'accord, d'accord. Oh. Nasty, man. Une hache. Lorsque vous en faites l'acquisition, la hache remplace temporairement le couteau de survie au combat. Elle peut tuer instantanément certains ennemis, mais se brisera après la première utilisation. Vous trouverez des haches au sein d'union ou aux mains de vos ennemis. Ah, ok, au moins, c'est pas pire. Ces choses entassent les corps ici. What the fuck? Ok, ok, c'est l'heure d'utiliser la hache. Wouhouhou! Oh mon dieu, ça c'était crazy. Il faut l'avouer, n'est-ce pas? C'était quoi ça? What? Oh, poudre à canon. Oh, attendez. Non, ça c'est pour grimper. J'ai besoin de tuer encore quelques bonnes. Oh, toi tu t'es bien fait couper en deux, man. Damn son. Oh, oh. Décédé, balle, ok, lui, ok, il y a un bonhomme décédé et il y a des balles de pistolet. Mais avant tout, laissez-moi voir si je peux rentrer là-dedans. Je sais que je me promène trop, je le sais très bien, mais je veux me préparer au combat. Alors, ouvrons ceci. Ok, c'est juste ici. Oh, mais on va aller chercher le gars avec le signal rebelle en attendant. Oh, oh, je crois qu'il est dead, hein. Ok, non, ça c'est la résonance que je viens de pick up. C'est pas le mec, le rebelle, là. Non, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Il est là-dedans. Il est vraiment là-dedans. Let's go. Okay. Oh, pendant un instant, j'ai cru que c'était une tête. Je mets toujours ma caméra vers le bas parce que c'est là où que se retrouvent les trucs. Principalement. Non? Ok. Il y a quelqu'un qui veut pas qu'on utilise leur chiotte. C'est bon? Hein? Le signal? Oh, il y a une bouteille ici, mais... Oh, c'est plus... Oh. Ici, peut-être? Oh. What the fuck? Non, 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 attends. Yo, je le trouve pas. Attendez, attendez. Ouais, ok, c'est dans cette maison. Il se retrouve dans cette maison. Mais j'ai sûrement manqué de quoi, quelque part. Peut-être qu'il faut que j'aille au sous-sol. Est-ce que c'est possible? Oh, ok. Il se retrouve dans cette maison 100% sûr et certain. Bon, cherchons. Ah, voilà. Moi, je croyais que cette porte menait dehors. Oupsie daisy. Bon, poudre à fumée. Cette poudre sèche émet de la fumée lorsqu'elle est exposée aux flammes. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ouais, ok, c'est bon. Hé, hey, qui a fermé la porte? Tu t'es fait massacrer la gueule, oui. Mais il me semble que je pouvais appuyer sur X ici, non? Ok, c'est ici la porte qui mène vers l'extérieur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici. J'ai rien trouvé. Oh, je peux pas. Oh, je peux pas passer. What the fuck? Non. Oh, j'arrive pas. Ah! 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 Oh, ok, ok, là. D'informations quand t'auras fini. Le centre d'information? Mais pourquoi? J'ai dit aux survivants que
êtes sérieux? Maudit enfoiré! Ok, attendez. Oh, il n'y a plus rien ici? Oh. Oh, ok, ok, il y a des composants ici. Fusible! Un petit bloc fusible provenant d'une boîte de dérivation électrique. Malheureusement, il ne peut pas servir à réparer les boîtes à fusible quand c'est ce composant. Ok, ok, blablabla. Pas besoin de lire la dernière phrase, mais. What the fuck, bro? Ouvrir. Ne descends pas tout de suite, Oh, ok, attends. Y a-t-il autre chose ici? Rien? Ok, let's go! What the fuck? Où est-ce qu'on est? What the fuck is that shit? Cet ordinateur fonctionne toujours. Qu'est-ce que... Hey, t'as dit la même chose que moi! Chargement! What the fuck? Mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe! What the hell, bro? Wow! Ok. Merci pour ces babales. Merci pour ce fusible. C'est autre chose. C'est pas autre chose, hein. Je crois pas que j'ai manqué de quoi, hein. Non. Ok. Allons là. Je suis rendu dans un endroit bizarre là. Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je sens qu'il y a de la merde qui va se passer prochainement. Alors je garde ça pour la prochaine fois. Donnez-moi un petit break, je vais prendre de l'air et je reviens dans quelques instants. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, partager cette vidéo sur Facebook, Twitter et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.